Au Japon, aujourd'hui, le catch féminin est très populaire et les catcheuses japonaises sont parmi les meilleures du monde. Il existe des règles internationales de trucage en catch. Elles sont les mêmes partout, mais au Japon, on les outrepasse très souvent, car dans ce pays de samouraïs, la défaite est ressentie comme la pire des humiliations. Après les combats, les perdantes sont parfois entièrement tondues sur le ring par celles qui les ont vaincues et elles subissent cette épreuve sans se défendre comme un châtiment mérité. Lorsqu'elles perdent leur match, elles ne sont pas payées. Derrière leur masque de férocité apparente, les catcheuses japonaises sont de pauvres filles exploitées par les managers et les organisations qui les emploient. Seule la championne est considérée comme une reine. Les autres, hors du ring, sont des sortes de nonnesses, privées de toute vie amoureuse et vouées aux tâches les plus ingrates. Pourquoi ces filles s'obstinent-elles à pratiquer ce sport qui gâche leur jeunesse et déforme leur corps? Pour le savoir, Guy Brousmich et Tony Comiti ont parcouru le Japon dans le sillage de ces Diablesses du ring. Voici les plus grandes championnes du catch japonais. Bull Nakano. La championne des championnes, surnommée la Reine Bleue, 118 kilos, elle gagne en moyenne 2000 francs par match. Manami Toyota, 63 kilos de muscles, baptisée Cendrillon, la princesse du saut chassé, elle gagne 1000 francs par match. Adia Kong, 110 kilos, la japonaise à la peau noire, surnommée la King Kong aux yeux bridés, elle gagne 1300 francs par match. Quant aux débutantes, elles travaillent 12 heures par jour, 355 jours par an, dans le seul espoir de devenir elles aussi des reines du ring. Dans ce bus, 35 catcheuses qui comptent parmi les meilleures du monde parcourent le Japon du nord au sud. Amies dans l'intimité, rivales sur le ring, ces filles incarnent assez bien la mentalité qui prévaut dans leur pays, où l'esprit de compétition est un des moteurs essentiels de la vie. Pour nous, le tournage que vous faites est une occasion unique de rencontrer d'autres gens. En dehors de ça, on vit entre nous. Je ne vois personne, je n'ai pas de vie privée. La rançon du succès de Bull Nakano, la reine bleue, une grande solitude, mais sa gloire fait rêver les autres. Je crois que je suis capable de remporter le championnat du Pacifique. Ça changerait tout pour moi. J'aurais enfin mon vrai public. Quand on possède un titre, on a plus de poids aux yeux des spectateurs. Il faut absolument que je sois championne.
Chaque jour, à la halte, toutes les catcheuses aménagent elles-mêmes la salle où se déroulera le spectacle. Une façon habile pour la société qui les emploie de faire des économies à bon compte. Une sorte de travail à la chaîne, à la cadence de 250 combats par an. Ce soir à 18h30, les plus grandes championnes du catch seront parmi vous. Venez voir Bull Nakano, la reine bleue, Cendrillon, Bison Kimura et toutes les autres stars du ring. Vous pourrez également assister à un combat de nains. En moins de 2 heures, la salle est installée. La troupe, avant de se produire sur le ring, a droit à quelques minutes de détente. Si je veux rester championne, je suis condamnée à gagner. Quand on est au sommet, il faut s'y accrocher. On doit aussi penser à l'âge. Vous savez, j'ai 23 ans. Je suis vieille. Je voudrais continuer jusqu'à 30 ans. En principe, c'est possible maintenant. Ils ont repoussé la limite d'âge de 25 à 30 ans. Mais si je reste dans cette société de catch, je n'y arriverai pas. Je serai usée avant l'heure. Ils m'en demandent trop. Les nains sont sur le ring. Excusez-moi. Franky et Tsunokake sont les deux derniers catcheurs nains à se produire au Japon. Le jeu consiste à transformer leur handicap en numéro humoristique. Ça fait mal le catch, très mal. Mais en même temps, ça fait rêver. 5 minutes de combat, 5. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Par exemple, quand on sent qu'on a le public avec soi, c'est très exaltant. Bull Nakano, la reine bleue, la star, fait son entrée. Le spectacle va commencer. Le clan local de la mafia s'est déplacé au grand complet, mais le parrain n'aime pas les caméras. Les combats sont réglés avec minutie. Pendant les 10 premières minutes, elles montrent du catch, elles offrent une exhibition. Les projections hors du ring servent à émoustiller les spectateurs. Le pugilat commence vraiment dès la 11e minute. Et là, elles ne se font plus de cadeaux. Le trucage n'a pas sa place au pays des kamikazes. Si je veux gagner, je dois les écraser. Ça, c'est un véritable exploit sportif.
60 kilos sont arrivés, deux volets, en pleine poitrine. Et là, on peut voir la fille qui est groggy, qui a pris le coup et qui a vraiment été sonnée. C'est quelque chose de terrible de recevoir un coup en pleine poitrine, comme ça, deux volets, d'une troisième corde, un saut chassé, ça fait très mal. Je ne fais pas attention à mon corps. Pour bien me battre, je ne dois pas me ménager. Au contraire, j'essaie d'aller toujours plus loin. La Reine Bleue appartient à son public. Les fans, un peu excités, n'hésitent pas à lui arracher une poignée de cheveux au passage. Elle n'a que quelques minutes pour atteindre son stand, car maintenant, elle va se transformer en marchande de colifichets. Si je n'éprouve pas de la haine contre mon adversaire, je perdrai à tous les coups. Quand je la vois en face de moi, je vois d'abord une rivale. C'est elle ou moi. Et je n'ai pas envie de céder mon titre de championne. Pendant que Bull Nakano vend des gadgets au profit de la société de catch, le reste de l'équipe remet la salle en état en moins d'une heure. Prochaine destination, l'île de Kyushu. Pendant ce temps, au siège, à Tokyo, on prépare déjà la relève. Ici, le sport est un moyen et l'argent une fin. Pour les patrons, ces jeunes filles sont avant tout de la chair à combat. Nous avons créé notre société anonyme en juin 68. On organise une audition une fois par an. On reçoit alors entre 2 à 3000 candidates. On leur fait passer une série de tests, essentiellement de la gymnastique et des exercices d'endurance. Au bout du compte, on en sélectionne une dizaine. Auparavant, elles venaient de familles pauvres. Elles arrivaient chez nous dans l'espoir de trouver un toit pour leurs parents. Maintenant, les motivations ont changé. Elles viennent d'abord par amour du catch. Le président de la société a l'œil sur ses pouliches. C'est lui qui les sélectionne, détermine leur niveau et supervise leur formation. La petite en pantalon rouge, Inoue Takako, en voilà une qui marche bien. En plus, elle vient de nous sortir un disque. Mais elle n'est pas la seule. On a beaucoup de bons espoirs. Par exemple, je mise beaucoup sur celle-là. Tenez, là-bas, en pantalon noir. Elle s'appelle Asegawa. Prochaine étape de la tournée, Ōita, au sud du Japon. Debbie Malenko est américaine. Elle est venue en stage pour 6 mois afin de s'initier aux techniques japonaises. Elle découvre en même temps un pays aux coutumes souvent insolites. Le Japon, c'est le meilleur endroit au monde pour le catch féminin. Parce qu'ici, c'est vraiment du business. Je les adore. Ce sont des battantes. Je les observe tous les jours sur le ring et j'essaie d'en tirer des enseignements et une stratégie. Faute de temps, l'entraînement durant les tournées se fait sur les lieux même des matchs.
La jeune Akemi, avec ses 100 kilos, est un peu la tête de turc du groupe. Cela lui vaut l'honneur de servir de cobaye. À chaque séance, Akemi rebondit plus d'une centaine de fois sur le ring. Son poids, ajouté à son manque d'expérience, lui font courir de sérieux risques. Bull Nakano est chez nous depuis 8 ans. En 8 ans, elle ne s'est jamais blessée une seule fois. Ne serait-ce que pour ça, c'est une catcheuse tout à fait exceptionnelle. Elle avait 15 ans quand elle est arrivée chez nous. Je savais qu'elle avait beaucoup de difficultés. C'était ce qu'on appelle une enfant à problème. Sa mère était inquiète, d'autant plus qu'elle était grosse. Sa mère s'est dit, je ne vois pas quoi en faire en dehors du catch. Cette société de catch est la plus florissante du Japon. Son secret, transformer les catcheuses en bonnes à tout faire. Et aussi, aller dans les campagnes, là où les salles sont louées pour trois fois rien, à la rencontre d'un public en manque de spectacle. Excusez-moi, 5 minutes de combat, 5. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Les Japonaises ont mis au point un catch entremêlé de karaté, de judo et de pancras. Mais ce sont surtout leurs prouesses acrobatiques qui font d'elles des catcheuses exceptionnelles. L'américaine Debbie Malenko participe aussi au combat. Debbie perdra souvent. Ses adversaires ont déjà derrière elle plusieurs années d'entraînement spartiate. Mais la présence d'une étrangère est appréciée du public. Pendant ce temps, Cendrillon se prépare à entrer en scène pour le show musical de l'entracte. La reine bleue s'applique chaque soir à se dresser les cheveux sur la tête. L'idée vient de son manager. Debbie a perdu. Elle a encore beaucoup à apprendre. Comme toutes les perdantes, elle ne sera pas payée. Cendrillon, la belle du ring, s'est muée en bête de scène. Je débute seulement dans la chanson. Je sors mon premier disque, mais mon métier, c'est le catch. Je ne voudrais surtout pas que le public me reproche de délaisser mon entraînement au profit de la chanson. Je suis catcheuse avant tout. De la chanson raconte la solitude, l'échec, le découragement et cette folie qui les fait remonter chaque jour sur le ring.
On a eu beaucoup de casse chez les nains. Les blessés sont partis et les autres ont pris la fuite. On n'est plus que deux maintenant. Moi aussi, j'ai été blessé plusieurs fois. J'ai eu des fractures, des décollements de chair, des déchirures de ligaments. Aux oreilles, on a les mêmes problèmes que les lutteurs de sumo. Alors on les perçait avec des aiguilles pour les vider de leur sang. Ça les rendait plus durs. Mais maintenant, c'est fini tout ça. On est tranquille. On nous a accusés de discrimination. On a reçu beaucoup de protestations. Mais les nains pensent que c'est un très bon job pour eux. Vu de l'extérieur, on nous reproche souvent de faire de l'argent sur leur dos. C'est pas du tout ça. On les paye plutôt bien. En plus, ils sont nourris et logés. Ils ont de quoi vivre. Cette fois, la troupe a droit à une vraie nuit dans un hôtel à bon marché. Le prochain trajet se fera pendant la journée. Le premier privilège de la Reine Bleue, c'est d'avoir en permanence plusieurs subalternes à sa disposition. Elles sont à son service 24 heures sur 24, y compris pour s'occuper de ses deux chiens. Au Japon, cette pratique va bien au-delà du catch. Le respect du supérieur, appelé senpai, est une des règles de la vie sociale. Par étapes, le bus remonte vers Tokyo. Prochaine halte, Hofu. Une fois de plus, le haut-parleur bat le rappel. La famille de Cendrillon, qui habite la région, s'est déplacée pour la voir combattre. C'est un grand jour pour elle. C'est aussi un jour important pour Akemi. Les organisateurs ont décidé de la mettre à la boxe thaïlandaise, histoire de varier le spectacle. Mais Akemi est trop inexpérimentée pour offrir un bon match aux spectateurs. Tout au plus, héritera-t-elle de quelques cocards. Akemi n'est pas arrivée chez nous par la voie ordinaire. On avait passé une annonce il y a 2 ans pour trouver une fille capable de battre Bat Yoshinaga, qui est championne de karaté de l'ouest du Japon. Finalement, c'est Akemi que nous avons retenue. À l'époque, elle pesait 130 kilos.
On s'y attendait, Yamamoto est déclaré vainqueur, Akemi a perdu. Elle ne pèse plus que 100 kilos maintenant. À mon avis, c'est encore 5 de trop. C'est pour ça qu'on lui demande de courir tout le temps. On a peut-être envie de la plaindre quand on la voit se démener, mais il faut penser que c'est pour son bien. Il faut absolument lui acheter des chaussettes noires ou des jaunes. Il faut montrer quelque chose de présentable au public. Elle ne peut pas rester comme ça. Regardez-moi cette allure. Vient le tour de Cendrillon. Cette fois, elle doit se surpasser devant sa famille. La première fois, je n'ai pas pu regarder. Je croyais voir de la bagarre de rue. Cendrillon doit gagner. Un échec lui ferait perdre la face et donnerait une fois de plus raison à son père. Il n'a jamais accepté, au fond de lui, que sa fille s'exhibe sur un ring. Il y a un combat que je n'ai vraiment pas pu suivre. C'était à Tokyo, un combat jusqu'au sang. À chaque fois que j'essayais de regarder, mes yeux se détournaient immédiatement. Je suis allé au bar pour boire de la bière. Maintenant, j'ai pris l'habitude. Je me dis, après tout, c'est ça le catch. Mais j'ai beau faire à chaque fois que je regarde, c'est comme si c'était la première fois. Cendrillon profite de quelques heures de repos pour se recueillir sur la tombe de sa mère. Ma mère, c'était comme une amie pour moi. Quand j'étais petite, on était inséparables tous les trois, ma mère, mon père et moi. On se promenait toujours ensemble. La mère, c'est elle qui criait le plus fort pour l'encourager. Mais elle fermait souvent les yeux pour ne pas la voir souffrir. Coupé de toute vie sentimentale et familiale, Cendrillon retrouve ses proches autour d'un repas, mais le cœur n'y est plus. Depuis la disparition de sa mère, elle n'a plus d'alliés. Sa mère était la seule à la soutenir et à l'encourager. Aujourd'hui encore, son père ne lui fait pas de cadeau. Il lui dit, vous avez un bon niveau, toi et tes copines, mais au-dessus de vous, il y a Bull Nakano et Aja Kong. Ces deux-là vous écrasent, vous n'êtes pas à leur niveau. Débile étrangère est privilégiée. Elle a le droit d'avoir un petit ami et d'afficher sa photo. Dans cette société de catch, il est interdit de fumer, de boire de l'alcool et d'avoir une liaison sentimentale. Les employeurs prétendent que les jeunes filles doivent donner leur jeunesse au public, mais ce sont eux qui la leur volent.
Dans quelques heures, les catcheuses auront regagné Tokyo, où le grand match de championnat annuel les attend. Il y aura beaucoup de monde pour le match de championnat. J'ai peur. Je n'ai pas le droit de les décevoir. Je vais me battre dans une cage, c'est très dur. Il faut que je me surpasse, j'ai pas le choix. La vraie rivale de la Reine Bleue est ici, elle s'appelle Aja Kong. Aja, c'est pour l'Asie, Kong, c'est pour King Kong. Bull Nakano, je la déteste, je veux lui arracher sa ceinture de championne. Cette fille, quand on voit sa tête, on a compris son problème. Son père était soldat noir américain et sa mère japonaise. Sa mère est décédée et son père vit à New York, paraît-il. Elle est arrivée chez nous parce qu'elle était victime de brimades à l'école. Au Japon, on n'aime pas les mélanges avec les peaux noires, surtout depuis l'occupation américaine qui a suivi la guerre. Ce genre de métissage est vécu comme une trahison. Si je deviens championne, je pourrai aller aux États-Unis, à New York. On parlera de moi dans la presse et à la télé. Mon père me reconnaîtra sûrement. J'espère qu'il se déplacera pour me rencontrer. Je voudrais tellement le voir, ne serait-ce qu'une fois. Demain, la Reine Bleue se battra dans une cage en acier. C'est l'épreuve la plus redoutée de tous les catcheurs. Aujourd'hui, elle veut faire le vide dans sa tête. Pour cela, rien de tel que le pachinko, ce billard vertical qui envahit le Japon, un tête-à-tête entre elle et la machine. Aja Kong faisait partie de mon groupe. Elle est arrivée à un très bon niveau. Elle ne pouvait pas aller plus haut. La seule solution pour elle, c'était de quitter le groupe pour essayer de me détrôner. Je ne la blâme pas, à sa place j'aurais fait pareil. Il n'y a pas de place pour le sentiment dans cette société. Je sais qu'elle me déteste. Tant mieux pour elle, c'est sa seule chance de me battre. Si par hasard je croise Bull Nakano, je lui tape dessus. Je la frapperai par derrière. Demain, à Kawasaki, j'aurai la peau de Bull Nakano. Cendrillon retrouve sa chambre. Elle ne fait pas plus de 10 mètres carrés. Si elle gagne demain le match, elle aura la possibilité de louer un vrai appartement. Si je décroche un titre de championne, je gagnerai beaucoup plus d'argent. C'est pour ça que j'ai intérêt à mettre toute la gomme pour le match de demain. Demain, Aja Kong ne se contentera pas d'affronter la Reine Bleue. Elle chantera aussi sur le ring. Une occasion unique pour lancer son disque. Cette fois, on a fait appel aux grands moyens. Des extras ont été engagés pour assurer l'installation et le service d'ordre. Plus de 3000 spectateurs sont attendus. Toute la presse sera là. Déjà, les producteurs de maisons de disques liés à la société de catch viennent conseiller leurs pouliches. Mais les prix aussi sont à la hauteur. Les places autour du ring coûtent 10 000 yens, environ 400 francs. Aujourd'hui, le public se déplace d'abord pour le match en cage. Du catch à 4 qui mettra face à face Aja Kong et Bison Kimura
contre Bull Nakano, la reine bleue, et la canadienne Monster Leaper. Je suis célèbre dans le monde entier. Monster Leaper, souvenez-vous bien de mon nom. Je suis venu au Japon pour défendre mon titre et mon honneur. Je n'ai pas choisi Monster Leaper comme partenaire. Les organisateurs me l'ont imposé sans me demander mon avis. J'ignore pourquoi on m'a mis avec Bull Nakano. C'est elle qui a la ceinture mondiale. Et je veux cette ceinture. On n'a rien à faire ensemble. Rien. Si je ne veux pas perdre, il faut que je maintienne ma vitesse et ma puissance. Le public s'est déplacé pour voir la Reine Bleue, mais aussi pour le retour d'Aja Kong, qui fait sa rentrée après avoir été opéré d'une péritonite. Aja Kong va combattre contre l'avis des médecins, car les organisateurs ne veulent pas que le public boude la sortie de son disque. Je crois que l'avantage est du côté de l'équipe Bull Nakano et Monster Leaper, parce que Aja Kong vient de subir une grave opération et sa partenaire Bison est beaucoup plus légère que ses adversaires. Avant la cage, un match classique. Cette fois, plus question de démonstration, on s'affronte pour gagner. Et les coups sont portés durement. Cendrillon vient de lancer sa propre partenaire sur son adversaire, mais ce n'est pas fini. Un saut périlleux arrière, du haut de la troisième corde, elle aurait pu se briser les vertèbres sur les barrières. Mais à ce niveau de combat, les catcheuses sont comme dans un état second et prennent des risques insensés. J'ai choisi de mener cette vie pour être indépendante. Je n'ai pas envie de vivre comme les autres, avec un mari et des enfants. La rencontre des quatre championnes du ring va se dérouler ici, dans cette cage.
Faire recette, les organisateurs nippons n'hésitent pas à humilier leurs catcheuses. Que reste-t-il du catch dans ce spectacle dégradant et barbare? En osant ce bond de plusieurs mètres, Aja Kong vient de se faire une éventration. C'était tout à fait prévisible. Il ne reste plus qu'à éliminer Bison, seul contre les deux poids lourds. Il ne leur faudra que quelques minutes pour la mettre hors de combat. Le match normalement est terminé. Soudain, Monster Leaper se retourne contre sa partenaire, la Reine Bleue. Elle veut lui prouver que c'est elle la championne du monde. Mais Monster sera châtié de sa témérité. Eh bien, je pratique le catch depuis 10 ans. Je n'ai jamais vu un tel saut. 118 kilos du haut de ses 4 mètres. Imaginez les séquelles que va avoir cette femme dans 10 ans, dans 5 ans, ou peut-être même dans 1 an. C'est de la démence, c'est de la folie. Ça frise l'inconscience. Monster est KO. Une fois de plus, Bull Nakano a gagné. Mais en se détruisant un peu plus elle-même. J'ai d'abord eu très peur. Avec cette technique, on tombe sur le bassin. On peut se briser la colonne vertébrale et rester paralysé. C'est la troisième fois que je fais ça. Dès la première fois, on m'a demandé de ne plus recommencer. C'est trop risqué. Bien sûr, j'ai eu peur de me retrouver infirme, mais c'était la seule façon d'en finir. Et je me suis dit que je ne pourrais pas survivre à un échec. J'ai eu peur, mais j'ai sauté. Il y a des femmes qui sont devenues des stars de la télé et du spectacle grâce au catch. Il y en a au moins une au Japon, elle s'appelle Dumpu Matsumoto. C'est sa force qui lui a donné les titres, et non les titres qui lui ont donné sa force, aurait dit Machiavel. Mais pour une qui accède à la célébrité et à ses fastes, des centaines s'usent dans des combats très durs et connaissent tôt ou tard des défaites dégradantes. Vous allez maintenant découvrir celle qui est devenue une étoile et les autres qui acceptent la rage au cœur de se faire entièrement tondre sur le ring parce qu'elles ont été vaincues. A tout de suite. Au lendemain du match de championnat, la vie reprend son rythme normal. Les novices font le ménage et servent au restaurant qui appartient à la société. C'est ici que les plus valides prendront leur retraite à l'âge de 25 ans, en travaillant comme serveuse ou femme de ménage. Après son match, Bull Nakano vient se détendre en famille, avant de retrouver le cycle infernal des combats. Ça va en ce moment? Tu n'as pas trop de problèmes avec tous tes matchs? Ça va. Qu'est-ce que tu t'es fait au front? Ça date d'hier à Kawasaki. Tu vas sans doute avoir une cicatrice.
Non, je crois pas, ça va partir. Le père projette un vieux film sur l'enfance de Bull. Souvenir d'une petite fille. La jeune Kimie et sa mère regardent la cassette d'un match spécial qui s'est déroulé il y a quelques mois. Les perdantes ont été tondues sur le ring. C'est la reine bleue qui donne ici le signal de la tonte. Aja Kong a une bonne raison de détester celle qui, à l'époque, lui a fait subir la pire des humiliations. いや、しかしね。負けてあの見事というんでしょうか。アジャコングの不敵な面魂。阿部さん、いいじゃありませんか。そうですね。ええ。あのダンプもそうでしたからね。はい。もう完全にしてと。そうか。完全ですからね。ジオ君ね。完全にもう完全した感じ。そのアジャコングの今ね、頭に割り勘が入っております。アスカ。 Kimie est championne du Japon de catch amateur. Dans la journée, c'est une employée modèle, identique à des millions de japonaises. Ce masque n'est pas destiné à se protéger contre la pollution, il évite simplement de transmettre les microbes à l'entourage. Au bureau, il y a toujours des problèmes. Si je fais une erreur, mes supérieurs me grondent, je me sens toujours stressée. Alors le soir, quand je m'entraîne, je me défoule sur mon adversaire, j'imagine que j'ai en face de moi la personne qui m'a sermonné, ça me soulage. Le succès du catch professionnel a fait des émules chez les japonaises. Les clubs amateurs se multiplient. Celui-ci est financé par l'entreprise Unimat, un des trois grands sponsors du catch amateur au Japon. Objectif des japonaises, battre les françaises, actuellement championnes du monde de catch amateur. Avant tout, j'ai choisi le catch parce que c'est le seul sport qui me permet d'évacuer moi-même toute la force qui est en moi. Dumpu Matsumoto est devenue une star grâce au catch. C'est elle qui a cédé sa place à Bull Nakano, la reine bleue. Le rêve de toutes les catcheuses, c'est d'être un jour comme elle. Elle a quitté le catch en février 1988. Depuis, elle est devenue une star du show business. J'ai été catcheuse pendant 8 ans. Les 4 premières années, j'étais novice. Pendant 4 autres, j'étais championne. J'étais LA Dumpu Matsumoto. Pendant toute cette période, j'ai eu la vie dure. Mais c'est grâce à ces moments difficiles que j'en suis là aujourd'hui. Dans la vie, si on veut réussir, il faut commencer par souffrir. Regardez bien cette catcheuse qui s'acharne contre Dumpu. C'était Bull Nakano, la future reine bleue. Elle manquait alors d'expérience. Personne n'étant de taille à affronter seul Dumpu Matsumoto,
on lui avait flanqué pour l'occasion deux adversaires. Dumpu tenait à infliger une défaite à celle qui allait lui succéder. Elle est partie sur cette ultime victoire. J'aimerais remonter une fois sur un ring. J'y ai déjà pensé, mais ce serait à New York au Madison Square. Certainement pas au Japon. Je ne veux plus avoir aucune relation avec le catch au Japon. Surtout pas avec les sociétés de catch japonaises. Comptez sur moi. Ce jour-là, les parents de Dumpu Matsumoto ne pleuraient pas de tristesse, ils pleuraient de joie. Leur fille quittait le ring pour monter sur les planches et elle s'en sortait bien. Mais pour une qui réussit, combien finissent dans l'anonymat, oubliés derrière un comptoir et se souvenant avec nostalgie d'avoir été jadis des diablesses du ring. Le cirque, les baladins, les saltimbanques, ces femmes qui donnent le meilleur d'elles-mêmes, qui prennent tous les risques, n'ont au fond qu'une seule ambition, tenir. Tenir le temps d'un match, le temps d'une carrière qui peut être très brève, tenir contre leurs peurs, contre leurs doutes, et si possible, briller. Briller fugitivement comme ces étoiles filantes qui scintillent un instant, puis disparaissent sans laisser de traces. À très bientôt, bonsoir.